Tu parlais de voiture. Je te raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'arrive à Arsenal. J'arrive à Arsenal, 17 ans. Je ne peux pas encore conduire. J'attendais, j'allais sur mes... Quand j'ai 18 ans, Thierry Henry, il avait une... À l'époque, je ne sais pas. À l'époque, je pense que je gagnais. À l'époque, je pense que je gagnais. J'ai quitté de la France. Je gagnais peut-être même... Je gagnais peut-être 4 000 euros. Donc, j'arrive en Angleterre, me donne 15 000 euros. Imagine un jeune qui gagnait 4 000 euros. Je ne sais pas Oui. combien, je sais pas combien j'ai gagné. Je me trouve à 15 000 euros. Donc, je deviens bête. Je vivais seul. Tu vois que quand tu viens dans un pays, tu es seul. Tu quittes de 4 000 euros à 15 000 euros, tu es seul. J'arrive au camp d'entraînement, Thierry Henry avait un Lincoln Navigator. Oui. Et à l'époque, il y avait les roues qui tournaient, les Le pneus qui tournaient. Les rims là. Les rims là. J'arrive. Je vois le King. Ça s'appelle le King. Je vois le King arrive. Il sort la voiture, le Lincoln, tac, il dégare. Je reste comme ça, je dis, merde, voilà un petit 18 ans, le cœur, tu dis que non, je prends la voiture. J'arrive, ce qui est bien ici, c'est que quand tu as le contrat, même si c'est que tu as un contrat, on va te donner la voiture. Tu passes, moi, tu prends ton contrat, leasing, non? On te donne. Le gars prend, je m'en vais faire un leasing, on me donne la voiture, je prends la voiture, je viens avec. Et moi, j'habitais du camp d'entraînement, peut-être 2 heures du camp d'entraînement. Tous les jours, je mettais peut-être tous les 2 jours, parce que ça consomme, c'est une voiture américaine. Je mettais le plein. Je mettais le plein. Un matin, je me lève. Je vais ouvrir mon frigo. Le frigo est fini parce que tout l'argent allait dans l'essence. Parce que je voulais imiter. Je voulais imiter ce que Le le grand patron frère français faisait. fait. Tout ce que je dis. Et un matin, il me voit. Tous les jours, je gare. Un matin, j'arrive au camp d'entraînement. Je m'en vais. Je dis au gars qui m'a vendu la voiture que pardon, donne-moi la Toyota. Ce n'est pas mon niveau, ça. Regarde, c'est pas bon niveau, regarde. Mais qu'est-ce au niveau? Donc j'arrive au camp d'entraînement. Je dis à Toyota, Thierry me voit. Il me voit, j'entre, il me dit, mon petit, ta voiture est où? Je dis non, Thierry. Petit, ta voiture est où? Je dis non, Titi, pardon, c'est pas mon niveau, laisse-moi, je suis là. Nous, j'arrive à petit tuyau, t'as réussi tranquille. J'allais à la pompe d'essence tous les 2 jours. Je mettais le plein, je pleurais. Dès que je finissais mon argent dans l'essence, j'ai dit que je reste comme ça. J'ai dit que mais le grand là, c'est un monsieur. C'est là Ça, où je monsieur. suis. Il me dit, mais petit, quand j'étais venu acheter ça, je n'ai rien dit. Parce que vous, les petits, quand vous donnez les conseils, vous n'écoutez pas. Vous l'écoutez là? Il fallait que toi-même tu fasses l'erreur d'abord. Tu vois ça. Voilà. Tu vois, non? C'est pour ça que quand je pense aux petits, je pense aux petits, je sont petits. Quand je vois les petits, je dis aux petits que petits. Quand je vous vois, je me fais rire. Parce qu'aujourd'hui, je vois les petits sont là. Champagne, ceci, les gars sont les Champagne. gens. Attends, il y a un truc là. On appelle ça comment? On appelle ça comment le truc? Le renard. Le renard, les renards. Les Non. gars, ils vont au Moi, pays, gars. ce n'est pas mon niveau. Moi, ce n'est pas mon niveau. Moi, je dis le Le renard, ce n'est pas mon renard. niveau. Voilà. Moi, je ne connais pas je ne connais pas le renard. Quand je ne serai pas mon niveau. Donc, moi, quand je dis au gars là que je laisse comme ça, je dis que les petits, tout ça, parce que nous, on est les sportifs. Après 45 ans, moi, je dis souvent que je disais à ma famille que la vraie vie, c'est à 45 ans. La vraie vie. Tu vois, aujourd'hui, quand tu achètes une Bentley, une Ferrari à 20 ans, tu es inconscient, tu es insouciant. Quand tu vois un homme de 50 ans aller acheter, sortir l'argent, acheter la Ferrari ou une Bentley, ça veut dire que c'est un homme, c'est un monsieur. Non, regarde, j'appelle. Oui! À bon temps, tu es encore là, tu dandines de gauche à droite. Mais, oui, franchement, je te jure, mon franchement. Mais à 50 ans, quand tu arrives, tu sors l'argent à 50 ans, tu achètes une Ferrari, une Bentley, ça veut dire que tu as réussi dans la vie. À 20 ans, tu roules à 20 ans avec une Ferrari, tu n'as pas réussi, tu es un pauvre. Là, je te promets. Moi, je dis tout le temps que les sportifs, on est les hommes les plus pauvres de la vie. Pourquoi? Parce que on veut souvent vivre souvent un moment de foi. Même tu gagnes 10 000, tu dépenses 20 000. Ouais, c'est ça. C'est ça Tu le problème comprends? en fait. Non, parce que les gens ne connaissent pas. On va te voir. Non, je dis que j'ai vécu ça parce que j'ai vu les tirs. Moi, je te dis, je te raconte pas les histoires. J'ai fait 8 ans à Arsenal. 8 ans à Arsenal. Et dis-toi bien que je gagnais bien ma vie pendant les 8 ans que j'ai fait. Non. Pendant les 8 ans, les 4 dernières années, j'ai commencé à bien gagner ma vie. Tu vois, je veux dire, je gagnais bien ma vie. Les 4 dernières années, parce que les débuts, c'est pas toujours ça, tu vois. Mais les 4 dernières années, non, les 3 dernières années, ça allait déjà, tu vois. Mais pendant ces 3 dernières années, je te jure,
je n'avais pas faim, je mangeais bien, j'avais acheté une maison, j'ai pris un crédit pour une maison, tout ça. Je partais en vacances, mais je n'ai jamais économisé 100 000 pounds. Mm. 100 000 pounds. J'ai fait 8 ans à Arsenal. Quand je partais d'Arsenal, je n'avais pas 100 000 pounds dans mon compte pour quelqu'un qui gagnait assez d'argent. Ouais. C'est ce que je veux dire. Parce que je vivais une vie où j'avais pas faim. C'était facile. Tu quittais ici. Je m'en vais au shopping center. Je m'achète des habits. Je monte, je descends. Mais moi, je ne bois pas. Tu vois ce que je veux dire? Je fais les voyages. Je voyage comme ça. C'est quand je suis arrivé à Barcelone que ma vie a changé. Mm-hmm. Je comprends ce que je veux dire. J'étais millionnaire. À ce moment, j'étais millionnaire sur le papier, mais je n'avais jamais vu le million dans mon compte. Non, je dis, tu vois, je dis, j'avais jamais vu. Je dis que j'avais jamais vu le million sur mon compte. J'avais jamais vu 100 000 ou 2 000 dans mon compte. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis arrivé à Arsenal, quand j'ai quitté Arsenal, je suis arrivé à Barcelone. C'est parce que des fois, tu vois, des fois, les gens disent que non, pourquoi tu as quitté Arsenal? Pourquoi? Je te jure devant Dieu, si on va regarder en vérité, je n'aurais jamais voulu quitter Arsenal parce que j'étais bien. C'était chez moi. Arsenal, même si des fois je ne m'entraînais pas, je savais que je vais jouer. Je veux jouer, ouais, ça c'est la maison. Voilà. Mais à un moment donné, le football, c'est mon travail. Tu comprends? Où tu restes, tu joues, tu gagnes encore en notoriété, où tu vas assurer ton avenir. À un moment donné, tu restes comme ça. Je suis resté comme ça. J'ai dit, mais je regarde ma femme à la maison. Ma femme le jour-là me dit, est-ce que tu es sûr que tu vas jouer à Barcelone? Est-ce que tu vas aimer? Je dis, c'est pas grave. Et que, dès qu'on m'a envoyé le fax, quand j'ai vu le cassé 4 fois sur le papier. Tu vas avoir le cassé 4 fois sur le papier. Je dis, mais non. Et que, ma vie a changé. Tu vois, on m'a appelé, le gars m'a dit, tu vas aller à Barcelone. J'ai dit, j'ai d'abord hésité, tu vois, non? J'ai d'abord hésité. Et quand il m'a envoyé le fax, je regarde le papier. J'ai tchakalisé ça comme ça, bien que je te dis. Il dit, casser combien? Il dit, casser 4 fois. Là-bas, ce n'était pas le parfum, mais c'est le casser 4 fois. Ça a dépassé le basse parfum. Quand je vois ça, merde! J'ai dit, quand le gars m'a appelé, le directeur sportif m'appelle, il me dit, oui, tu sais que tu ne vas pas jouer. Comme... Je ne voulais même plus y aller, ce qu'il était en train de me chacaliser là. Je ne voulais même pas. Moi, j'étais les chiffres. Tu vois, alors? Là, le chiffre, la honte de tous les yeux là-bas. Mais tu parlais de quoi? C'est là où j'ai que quand je suis arrivé à Barcelone, ma vie a changé. J'étais millionnaire dans le compte. C'était plus dans le papier. Que tu viens, tu n'as plus rien. C'était dans. Parce que le compte. Non, parce que les gars, quand je disais d'abord partout, il dit que les chiffres de Google. Parce que les gars sont là, ils voient des chiffres à Google. C'est pas, ils pensent que c'est la réalité. Mais c'est ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et beaucoup de gens vivent par rapport à ça, au lieu de vivre par rapport, tu penses que non, ok, il faut que je save ça, je garde ça, que j'investisse ici, pour que l'argent continue à tourner, ça revienne. Et que dans la vie, à la fin de la journée, c'est que tu prends soin de ta famille et que tu sais que demain, quelqu'un peut dire que oh, Pascal a fait ça et que c'est grâce à lui de hier, j'ai fait aujourd'hui, je suis celui-ci, j'ai fait ça. Il m'a donné l'inspiration, il m'a fait ça. À la fin de la journée, c'est ça et que ma famille est tranquille. Ça, c'est la vie, hein.